on aura maintenant une autre problématique avec les turdidés, c'est-à-dire les grives, hein, pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas constaté d'arrivée intempestive sur le département. On a des protocoles, et là j'ai une fiche de protocoles, hein, sur lesquels on s'aperçoit que dans tel secteur, à Canet par exemple, on a pu prendre 3 bovis qui pesaient, on les pèse, on essaie de savoir, on les dissèque pour voir l'état de santé de ces espèces-là. Donc les 3 grives de Canet pesaient 72, 73 et 69 grammes, à Thuir les 4 grives 61, etc., etc. On a donc plusieurs points du département avec des études scientifiques, en quelque sorte, pour savoir l'état sanitaire. Si on s'aperçoit qu'elles sont toutes très maigres, qu'elles ont eu du mal à venir, et qu'elles sont là vraiment parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, bon, ben on demandera au préfet également de fermer les turdidés pendant 5 jours, 8 jours, 10 jours. Ça dépendra de la durée de cette période difficile pour elles. Ce matin, 3 chasseurs se sont rendus sur le terrain et se sont mis au passage des grives de 8h du matin à 11h du matin. Et en 3 heures de temps, à 3 personnes, ils ont prélevé 16 grives. Ces grives, donc, nous serviront de témoins pour voir l'état sanitaire des oiseaux. Sur cette grive que je viens de plumer, on voit très, très nettement sur cet oiseau qu'il y a une grande partie de masse graisseuse sur l'oiseau. Les tissus adipeux que l'on voit ici sur le côté de l'oiseau présentent un état de bonne santé. Dans le cas où nous constaterions que les oiseaux sont dans un mauvais état physiologique, nous serions les premiers à demander au service de l'État d'arrêter la chasse de cette espèce.